Alors l'idée est partie justement en se rencontrant avec les divers partenaires. On a eu l'idée de s'associer ensemble pour pouvoir aller dans les régions au plus près de chez nos clients. C'est une profondeur d'offre qui est en fait complémentaire. Donc on s'est dit pourquoi pas le faire à 4, ce qui permet d'avoir une offre complète, aussi bien en vision comme nous l'avons, en pneumatique, en sécurité et également en afficheur. Alors l'intérêt de participer à ce genre de journée est tout simplement de s'informer et de voir les évolutions techniques que peuvent nous proposer des sociétés qui aujourd'hui ont organisé cette prestation. Aujourd'hui, la demande en fait du marché est que les clients finaux n'ont pas une seule problématique, mais plusieurs, et ça permet en fait de les réunir à un seul endroit. Notre priorité, c'était de proposer déjà un programme attractif pour nos clients, puisque aujourd'hui, on a essayé de proposer une alternative, donc avec un espace salon, un espace conférence. De venir ici, c'est plus intéressant, parce qu'au bureau, non, on a juste le commercial qui vient nous voir, nous présenter des produits, qui dit que ces produits marchent, tandis que là, actuellement, on voit des petites maquettes, donc c'est quelque chose de concret quand même. Parce que les gens sont venus parce que justement, il y avait une offre complémentaire. Et puis, un des points importants, c'est le fait d'avoir de la proximité qui a fait que les gens sont venus. Et donc je crois qu'effectivement aujourd'hui, la personne, le client qui vient sur ce type de manifestation va trouver des réponses un peu dans tous les domaines de la machine. Faire des salons ou des mini-séminaires de ce type-là de manière régionale permet de toucher au niveau local. Le client a sous la main les responsables techniques de toutes les sociétés. Un événement comme ça dans 18 villes, ça sert surtout de vecteur à développer de nouvelles familles de produits qui sont moins connues par nos clients. Les associations qu'on s'est faites parmi les quatre sociétés n'ont pas été faites par hasard. Notre but aussi, c'est de montrer les nouvelles technologies. C'est un peu aussi avec un but de formation, parce que dans chaque conférence, on montre l'aspect théorique et c'est prouvé après dans les ateliers avec la mise en pratique. L'objectif avant tout, c'est que les clients viennent vers nous. Alors bien sûr, après, cela nous permet de reprendre contact avec ces différentes sociétés pour pouvoir approfondir plus en détail les différents aspects techniques dont on a besoin et dont on est quelquefois tributaire. On était quatre grands constructeurs à exposer sur cette opération et l'ensemble fait, je crois, quelque chose d'assez réussi.